À quelques kilomètres à peine du centre de la capitale, de rares indications que le pays traverse un deuil national. Dans ces rues, la vie continue, avec ses hauts et ses bas, particulièrement ces jours-ci. You know, the average person's thinking about their electricity bill, the bill's going up, and, you know, inflation. So this is what most people are thinking about. They really don't care about somebody that doesn't have to think about inflation, doesn't have to think about bills, yeah, and has private jets to go anywhere in the world. Au Royaume-Uni, l'inflation a augmenté de plus de 10 % en un an. C'est le taux le plus élevé de tous les pays du G7. Les impacts se font particulièrement sentir dans des quartiers comme celui-ci, dans le sud de Londres, où le tiers de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Les besoins des gens du coin, Solomon Smith les connaît bien. 5 jours par semaine, son organisme distribue environ 150 repas chauds dans des quartiers défavorisés. You know, our prayers goes out to the royal family. S'il dit penser à la famille royale, Solomon Smith ne peut se permettre de prendre congé le jour des funérailles. They're going to be able to have a bank holiday. You know, they're still going to be looking for food. Lundi, il parcourra, comme d'habitude, les quartiers défavorisés du sud de Londres pour distribuer de la nourriture. Férié ou pas, de nombreux Londoniens dans le besoin auront faim. Dans ces quartiers, la relation avec la couronne est parfois compliquée. Althea Smith, l'ancienne mairesse de l'arrondissement Southwark, explique que de nombreux résidents sont des descendants venus d'Afrique ou des Caraïbes. Plusieurs anciennes colonies, dont certaines, ont toujours des liens avec la monarchie et où on évoque encore les compensations qui devraient être versées pour les impacts de ce passé colonial. Ces pays sont pauvres, la Grande-Bretagne devrait leur rendre de leur richesse, dit-elle. Des revendications qui n'ont pas empêché Althea Smith d'attendre plusieurs heures pour se recueillir devant le cercueil d'une reine qu'elle respectait. Si pour plusieurs dans le quartier, les cérémonies ne sont pas au cœur des priorités, l'immense couverture médiatique rend les événements difficiles à ignorer. Barbier a bien sûr vu les images des kilomètres d'attente pour accéder à Westminster. Impossible toutefois pour lui de s'absenter plusieurs heures pour participer aux hommages, la réalité d'un Royaume-Uni qui, deuil royal ou non, n'a pas le luxe de s'offrir une pause. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, à Londres.